Pourquoi il est là, amis téléspectateurs, nous allons dans l'aéroport avec collaboratrice nous Anne, cadre tout chef l'État haïtien, après participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale ONU dans New York. Nous invitons à suivre. Tortellas family. Voilà, amis téléspectateurs, on t'a suivi, président de la République là, accompagné premier ministre là, ensuite ministre et puis l'autre cadre dans l'État pour recevoir une présidentielle là. Donc, nous connaissons le président de la République là, qui souhaite participer dans la 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Donc, une activité qui était offert au président opportunité, eh bien, pour lui parler en pile dossier qui concernait le pays d'Haïti et puis faire rencontre bilatérale ensemble avec principal bailleur de fonds pays d'Haïti, eh bien, son série de dossiers capables d'aider et pays avancé. Donc, dossier éducation, dossier santé, dossier électricité, dossier de l'eau potable, et bien, tout est dans le discours au président République là, dans le cadre de participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Donc, président République là, toujours accompagné de premier ministre là, a salué ministre, après ça, là, bien pour le saluer au état-major la d'Haïti et puis pour le saluer tout au commandement police nationale d'Haïti, il a gagné pour continuer salutation là, ensemble avec Rescadre qui vient accueillir, nous voulons parler de directeur général, yo, secrétaire d'État, yo, ensemble avec membre cabinet, li, et bien qui vient accueillir sous piste aéroport international Toussaint Louverture. Donc, président République, là, l'a gagné pour une conférence, l'a gagné pour l'albaï dans l'aéroport, là, et bien l'a gagné pour l'albaï détail sous différentes rencontres qui étaient faites pendant passage dans la 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Donc, qui ça les venir en plus pour Haïti, donc qui garantit les joindre, puis comment relations entre Haïti ensemble avec l'autre pays, parce que l'autre président qui était participé dans 73e an, eh bien, il y a même tout, il y a une coopération, il y a un représentant dans le pays d'Haïti. Donc, le président de la République l'a fait profiter Chita parler avec tout le président Sayo. Donc, lui-même l'a gagné pour venir par détail sur ça, joindre comme engagement en faveur pays d'Haïti. Donc la continue salutation et c'est après salutation hein, président de la République là lui-même l'a gagné pour la baille conférence de presse côté l'a gagné pour le détailler un par un et bien qui ça lui joigne et qui garantit Haïti gagne dans le cadre d'engagement peut-être qui prend dans le cadre passage li, non, 73e assemblée. J'en ai regardé la salutation, il va continuer. Dans 473e assemblée, et bien le président a mis l'accent sur la question de lutte la menée contre la corruption, sur la question de développement durable, la paix avec sécurité. Il était parlé tout de l'engagement qui était pris dans le cadre du réchauffement climatique et lutte contre le réchauffement climatique là, et bien pour les pays qui étaient engagés, et bien pour ta fait un gens pour supporter ces pays parmi Haïti. Il était parlé tout de nécessité et qui gagne pour le moment pour ta faire une série d'interventions, une série de domaines en Haïti qui est estimé clé, eh bien, pour permettre le développement durable, là, fait tout bon vrai. Il était parlé dans le domaine santé, domaine éducation. Il était parlé tout de assainissement, il était parlé tout de lutte à mener pour arriver, eh bien, pour des éclaircissements sous question pétro-caribéa. Donc, le président républicain a parlé de nous ensemble dossier
y a un ensemble de dossiers que le pays d'Haïti lui-même a obligation pour le bail résultat là-dedans. Yo. Salutations, yo a continué ensemble avec le directeur général ou bien secrétaire d'État. Yo. Donc tout de suite après, Nation à travers la télévision nationale d'Haïti, et bien pour le connaître, qui ça qui n'a dit à coup de président? Donc salutations à continuer et puis président République là l'a gagné pour la présenter conférence nous t'as capable de conférence bilan de voyage ça lui-même lui t'est fait côté le t'as participé non 73e non 73e assemblée. Donc notre journal est porte Saint l'ouverture côté président de la République là à peine atterri après participation à la 73e assemblée session ordinaire assemblée générale Nations Unies. Donc chef l'État lui-même l'étape a salué officiel yo cadre avec membre cabinet li qui vient rencontrer lui et bien dans l'aéroport Saint l'ouverture là. Tout de suite après, chef d'État vient pour faire bilan du voyage là, côté d'y rencontrer différents partenaires, différents bailleurs de fonds, d'y rencontrer ensemble avec la communauté haïtienne non, Cap Vive l'autre bois, qui au même tour est présenté cahier de l'éancio. Donc chef d'État l'a bien pour le vin présenter, pour le vin parler de tout ça. Non, quatre conférences bilan, là, bien pour le faire, non, salon diplomatique, là. Donc, nous connaissons avant conférence là, chef l'État a gagné pour la chute à parler avec le Premier ministre là, qui a gagné pour briefer un peu de comment la situation a été dans le pays d'Haïti. Nous connaissons chef l'État qui est passé environ 4 jours dehors, qu'on est là, Premier ministre là, pour la chute à parler ensemble avec lui, en façon pour lui capable bien imbu et bien de tout ça, de tout dossier lié. Avant lui-même, il vient présenter conférence, cela vient pour présenter sous le salon diplomatique là. Donc, amis téléspectateurs, nous avons été branchés. N'a bien pour nous tourner dans un petit moment encore pour nous permettre de vivre et bien conférence qu'a gagné pour fête dans salon diplomatique là côté président de la république là l'a gagné pour le bilan de voyage li ça dans New York avec participation dans 73e assemblée Nations Unies. Donc, studio reprend antenne, n'a pas tourné dans un petit moment pour nous capables de continuer à informer la population. Merci Anne pour première image. Ça y est, on va poursuivre avec information. Yo, nouveau directeur général administration générale Doualnan, Romel Bell annoncé jeudi 27 septembre là, yon ensemble mezi pour combattre phénomène contrebande. Directeur a parlé tout sous yon ensemble et stratégie li pral mettre en place cap faciliter puis bon gestion nan niveau institution ça. Nous invitons à suivre.
Mission principale direction générale douane, c'est exiger importateur yo payer l'état taxe qui permettent réalisation projet développement sociaux yo. C'est tout contrôler qualité à quantité produit consommation qui importé en dans pays a. D'après directeur général douane nan, Romel Bell. Dans ce sens, il sollicite collaboration tout citoyen pour aider AJD à atteindre objectif. Mission nous c'est même dans cadre trois grandes missions que la douane gagne. Qui c'est première mission, ça c'est incontestable et incontesté, c'est ça nous déclarer les missions fiscales. Mission fiscale là, qui ça veut dire c'est bail César, ça pour César. Ça veut dire que redevance fiscale, tout le monde qui vient pour payer, il faut qu'on paye. Ça c'est incontestable et incontesté, il faut qu'on paye. Et d'après Goumen, pour tout le monde payer, sort bien pour payer. Et c'est là, pays a des moyens pour ça, le président pays a été fait comme promesse pour avoir des moyens pour accomplir la mission en tant que président de la République. Donc c'est ça. Deuxième mission, c'est mission économique. Mission économique, on veut dire. Donc, si par exemple des importateurs commandent des marchandises, même côté, même quantité, même nature, même qualité, ils sont supposés payer même gens. Contrebande, c'est une cause qui empêche le développement fait en d'un pays. Nouveau directeur général douane Port-au-Prince, Romel Bell, fait qu'on est administration l'emprunt le travail pour combattre phénomène ça, une façon pour contribuer à augmenter l'assiette fiscale là. C'est un bagage qui est aussi facile sous frontière. Dans le pays, tant que le pays d'Haïti, on a dit qu'on combattre à 100%, mais on a réduit. Et je dis à nous, c'est notre mission. Si nous n'arrivons pas à la vérité totale, là, même au pied de la vérité, pour nous arriver. Et nous prenons ça à nous dire. La douane, c'est un élément capital dans le développement du pays. Parmi les missions, c'est faire respecter à quoi qui s'y est. Dans le domaine commerce, sécuriser et faciliter le commerce fait, protéger l'environnement et le patrimoine culturel là. L'autre nouvelle, ministère intérieur fait tout casse qu'on est, il doit déposer un projet qui évalue à 1 million gouttes dans le ministère dans l'idée pour débloquer fonds section communale. Président commission intérieur, chambre député Adeus Deronet, exprimé satisfaction pour décision ça, pendant qu'il demande tout casse dégager pour déposer projet dans le ministère pour faire travail développement dans la section. Nous invitons un extrait dans le micro, Fednia Confident avec Moïse Ulbrich. Nous rencontrer la presse dans qualité nous comme président commission intérieure Chambaslan pour nous capable faire information et puis vite joindre toute casek qui dans pays à n'importe côté oyé par rapport à discussion nous été entamé par au niveau téléphone à ministre intérieur pour dans qui mesure nous été capable permettre gain une collaboration ministérielle pour l'agent qui a loué à section communale 1 million de gouttes que nous tous connaissons capable de virer sous compte intérieur de préférence pour que eux-mêmes soient capables de river faire dépôt projet eux non bref délai dans le ministère intérieur et de là ministre sorti note là il sorti une note qui mandé bien rapide pour toute Kazek yo capable de river déposer un petit projet qui environ 1 million de gouttes yo gain pour décaisser déposer li dans le ministère intérieur et très rapide joindre ça qui ta gain en termes de consultation pour capable de river porter une solution dans zone yo respectivement et c'est une décision nous estimer capable river faire Kazek yo porter une sorte de amélioration dans plusieurs revendications yo gain dans pays là puisque collectivité territoriale yo dans dernier temps dans exercice cela yoté en crise notamment dans le département du sud-est toute collectivité yo kazek yo t'a déposé quel les bureaux yo dans délégation et nous pensons message ça son message capable river apaiser yo un peu partout sur territoire géographique là. Autorité aéroportière nationale AAN, en collaboration avec Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire avec BLTS, organisé un exercice simulation sur piraterie aérienne avec renforcement sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Conseiller dans sécurité AAN, Henri Robert Marc Charles, expliqué, c'est chaque de l'année direction AAN organisé un exercice simulation. Nous invitons à suivre.
Exercice simulation ça qui déroulait sous piraterie aérienne visait renforcer disposition sécurité dans espace aéroport et puis maîtriser quelques individus qui a fait braquage, prend en otage passagers dans avion ou bien trafic drogue. Conseiller dans affaires sécurité ANN, ancien colonel Henri Robert Marshall expliquait exercice simulation ça c'est pour faciliter ou faire face à la réalité. C'est quoi un exercice de simulation? C'est une activité que nous sommes tenus de faire périodiquement. Normalement, d'après nos manuels, nous devons en faire une à grande échelle chaque 2 ans et chaque année une autour de la table. Et à chaque fois, un scénario différent. Et on a eu des accidents d'avion, on a eu des écrasements au sol. Et cette fois-ci, nous avons fait une prise d'otage. On est tenu de faire ce genre d'exercice parce que nous sommes un aéroport international et tout aéroport international à travers le monde, membre, tous les pays membres des Nations Unies, donc de l'OACI, est tenu de faire cet exercice pour garantir la sécurité de la famille de l'aviation civile. Ancien colonel Henri Robert Marshall fait connaître des satisfaits pour réalisation exercice simulation sous piraterie aérienne. Non? Pendant les remercier toute instance qui t'a participé à l'activité ça. Est-ce que nous satisfait? Oui, nous satisfait. Pourquoi ça nous satisfait? Parce que nous voyons que nos exercices de simulation, tension qui existait, c'est pas tension ça qui pourrait exister si nous avons un exercice réel, la vie plus fort. Ok? Mais nous sentis tension quand même. Nous satisfait parce que nous arrivons à maîtriser tension. Nous arrivons à faire un travail. Ouais, qui quantité de monde comme nous qui participent là-dedans? Qui quantité d'entité? Nous arrivons à faire une bonne coordination. Là, nous satisfait. Mais pour nous, nous pouvons améliorer. Parce que nous avons des mots ou dit qui interprétaient un autre gens pour un autre monde, non l'autre. Et dans l'autre formation, parce que tout le monde a la même formation, et c'est ça qui fait que, avant de nous faire ça, nous faisons pile exercice. Ou par contre, qui acte illicite qui a plus d'activité là-dedans? Quand il y a son prise d'otage, à l'époque c'était alerte à la bombe. Ouais. Donc, pour l'autre, là, c'était avion qui a tombé tout le temps. Donc, nous pas qu'à. Et le par exemple, nous dit nous pour gagner un exercice de simulation, nous pas dit qui ça lie. Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire, contrôle qualité, direction sûreté et sécurité, avec plusieurs unités spécialisées dans PNH, ont participé dans l'exercice de simulation ça, qui est toujours organisé chaque 2 années dans l'autorité aéroportuaire nationale. Pas n'a pris un coup de pause, pas déplacé, n'a pas tourné.